Salut les enfants, de retour sur Minecraft. Dans l'épisode précédent, qu'est-ce que j'ai fait dans l'épisode précédent? J'ai été couper du bois dans l'épisode précédent et je me suis fait un magnifique coffre dans lequel j'ai tout rangé et tout. Et j'ai de la chair putréfiée que je vais essayer de cuire un peu, voir ce que ça donne. Parce que je ne sais pas ce que ça donne le cuisage de chair putréfiée. Ça se trouve, c'est dégueulasse de manger de la chair plus très fraîche. Ça n'a pas l'air de marcher en fait. Ça ne veut pas cuire la chair putréfiée. Je ne sais pas à quoi elle sert la chair putréfiée. Laissez un commentaire pour me dire à quoi sert la chair putréfiée. J'ai du mal à dire chair putréfiée, dis donc. Et aïe. Et je voulais redescendre dans ma mine afin de aller miner le redstone que j'avais trouvé puisque j'ai réussi à atteindre le bedrock, hein, comment dire, la fin du monde. Comment ça s'appelle? Les blocs incassables qui se trouvent au fond non pas de ton cul, car c'est très vulgaire, mais au fond du jeu. Je n'arrive pas à terminer cette phrase. Le bedrock, voilà, c'est un truc qui est incassable parce que c'est le sol de Minecraft, en fait. Il n'y a rien en dessous. On peut le casser en mode créatif, par exemple. Mais le truc, c'est que ça sert à rien, quoi, parce qu'en dessous, y a du vide. Voilà. Comme ça, c'est dit. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que là, je commence à plus savoir où creuser, du coup. Ah, encore du redstone. Putain, j'en récupère vachement, en plus. C'est moi où il y avait de la lumière? J'ai l'impression qu'il y a de la lumière. On va foutre une torche. Avec les pioches en fer, ça va beaucoup plus vite quand même, hein. Vous remarquez? Voilà. Hop. On va continuer de creuser sur les côtés. On va essayer de trouver une cave, parce que moi je veux trouver une cave en fait, c'est ça mon but. Puis un de ces quatre, il faudra peut-être que j'aille explorer dehors, mais là il fait nuit, donc on va éviter. On va éviter d'aller se balader de nuit. Tout simplement pour des raisons de j'ai pas envie de crever comme un con. Hein? Ça me paraît pas mal. Si je pouvais trouver un peu plus de fer aussi, parce qu'elles vont pas durer longtemps, mes pioches. Enfin, ma pioche. Hop, petite. Voilà. Pioche de nouveau. Hop. 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 Ah, encore du redstone. Je sais pas trop bien ce que je peux faire avec du redstone à part des courants électriques, à part des circuits électriques. Ah, ce serait pas du fer ça? J'oublie toujours, je sais jamais si c'est du fer ou si c'est de l'or. Ça se ressemble vachement, je trouve. Alors, aller choper le bloc, voilà, et on va continuer dans ce sens-là parce que j'ai envie. Creuser un peu plus haut. Voilà, hop. La creusation. Le creusage. Et si on creusait en montant pour changer? Vu qu'on peut plus descendre. On va creuser en montant. Alors. Et on va même se mettre une petite torche ici. Parce que comment ça pue, rien voir. Je vais finir par être à court de torches aussi. Il va falloir que je remonte en fer. Hop. Hop, hop. Creusage. Gravier, putain de gravier de merde. S'il vous plaît. Arrêtez avec ce gravier. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien? Ok. Ah, putain de gravier de... Mes couilles. Bon, on va continuer là. Hein. Flemme avec le gravier. Putain, il y en a partout. Puis en plus, j'ai pas spécialement envie de m'abîmer avec. D'abîmer ma pioche, quoi. Putain. Alors là, par contre, il va falloir piocher. Hop. Je creuse à la torche. Oui, elle a. Que ça du gravier?
foutre une petite torche ici parce qu'on commence à plus rien voir. Ouh, encore du redstone. Merde. Hein? Ce serait pas du redstone là-bas, non? Alors, petite torche encore. Oui, je creuse directement. Hein. Moi, je me fais plus chier à faire des grands trucs maintenant. Hop. 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 En espérant tomber sur quelque chose d'intéressant au bout d'un moment. Ah tiens, on dirait un truc intéressant là-bas. À moins que je ne me trompe. Et je me trompe effectivement. Il n'y a rien de spécial. Non mais j'ai bien cru qu'il y avait quelque chose là. Hop, hop, hop. Casser ici, casser ici. Qu'est-ce ici? Qu'est-ce ici? Ah, de la terre. Alors, il y a un truc par contre que j'espère, c'est qu'en remontant là, je vais pas tomber sur un lac. Parce que ça va être un peu emmerdant. Je vais noyer mon tunnel. Je tombe sur un lac. On a foutu une torche encore. Je suis vraiment à court de torches là bientôt. En plus, j'ai tout mon charbon. J'aurais dû garder mon charbon. Parce que là, je vais être vraiment à court. J'ai tout mon charbon qui est dans mon coffre au bout. Et j'ai ma pioche qui est bientôt morte aussi. Hop, hop. J'aime beaucoup ces glitches qui me montrent le ciel. Il donne l'impression qu'il est pas loin. Hop, hop. J'ai ma pioche qui va mourir. Et j'ai bientôt plus de torches. Oh, pourquoi j'arrive pas à bouger? Encore ce bug? J'en ai marre de ce bug. Bouge! Voilà. Ah, on fout une torche ici. Je ne sais pas où j'en suis au niveau de la remontée de. Il faut monter. Et je vais encore sursauter parce que quand la pioche se pète, ça fait un bruit de métal dégueulasse. Voilà. Pioche de fer. De pierre, pardon. Ils auraient dû mieux les différencier, c'est tout. Cela dit, j'ai encore récupéré du fer, je peux me faire une autre pioche en fer. C'est juste que faut que je retourne loin. Mais en même temps, j'ai plus de torches non plus, donc je vais bien finir par y retourner. La musique accompagne parfaitement mon triste constat. C'était l'histoire d'un homme qui devait retourner en arrière. Alors qu'il voulait avancer, il devait aller récupérer des torches. Des torches et surtout du charbon pour faire les torches. Il devait également récupérer son minerai de fer pour se construire des pioches en fer. Sans les pioches en fer, il ne pouvait pas vraiment faire des choses. Puisque sans les pioches en fer, on ne peut pas faire. Il cherchait donc son chemin jusqu'à sa maison, et surtout son coffre plus que sa maison, car dans son coffre, il gardait toutes ces choses, le charbon, le fer,
les bouts de bois pour faire les torches, les bouts de bois pour faire les pioches. Ça devient presque un slam. Il n'arrivait pas à monter, car il était un peu teubé. Et comme il faisait jour, il allait se construire une pioche. Il allait se construire une pioche avec du minerai de fer qu'il avait récupéré. S'il l'a récupéré, il l'a récupéré. Et il allait surtout se construire des torches avec tout son charbon et le peu de bois qu'il avait en fait. Voilà, ici. Sur la table de crafting, il suffisait de fournir des planches pour avoir des bâtons. Voilà. J'aimerais la récupérer, merci. J'aimerais également utiliser la table de crafting pour faire des torches. Je ne sais plus comment on fait, je crois que c'est 64 d'un côté, et hop, et on récupère des torches. Voilà. 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 Ah non! Je viens de voir le temps de l'épisode. Va falloir qu'on s'arrête encore. Trop long quoi, trop court plutôt. Bon, merci d'avoir regardé les enfants, cliquez sur le bouton suivant ou à droite pour avoir l'épisode suivant. Je vous dis à bientôt, je vous dis la quiche Lorraine vaincra. Et dans l'épisode suivant, j'irai me balader.